Salut les amis et bienvenue dans Tone Factory. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une série sur les amplis dits low cost, donc accessibles à la plupart d'entre nous. On va commencer cette série par un de mes préférés, le Roland Cube. Ici, on essaye un cube 20 watts aujourd'hui du milieu des années 2000. C'est une série, les cubes, qui a été introduite chez Roland au milieu des années 80 à peu près, avec beaucoup de modèles. Le 20X, c'est un ampli assez complet, assez compact. Celui-là est dans son jus, comme vous pouvez le voir, il a déjà beaucoup sonné. Et on va voir ensemble qu'il sonne très bien, surtout au niveau des effets de modulation que je vous propose de découvrir tout de suite. Voilà pour ces effets de modulation sur ce Roland Cube 20. On essaye un Roland Cube 20X aujourd'hui. Alors c'est des effets qui sont vraiment pas mal du tout. Il n'y a pas beaucoup d'amplis aujourd'hui avec plein de modélisations comme ça, avec des effets intégrés, qui sonnent comme ça. Il y a une profondeur d'effet qui est assez impressionnante, franchement, par rapport à pas mal d'amplis de cette gamme-là que j'ai pu utiliser. Je pense notamment au Tremolo, qui est super beau. Franchement, c'est pas du tout ridicule. Je connais des pédales de Tremolo qui font des Tremolos moins jolis que ça. J'en connais 2-3, donc voilà, il y a aussi le flanger qui est pas mal, qui est très rigolo, vraiment 80s à mort, hein, mais c'est fun. Et puis celui que j'aime bien, on le sait, Roland, c'est les rois du chorus, avec des amplis comme le Jazz Chorus, les Chorus Tank aussi qui sont super connus. Et
encore une fois, ils ne se sont pas loupés là-dessus. C'est une modélisation. On n'a pas un chorus complètement analogique. Hein. Par contre, c'est vraiment mortel. Ça sonne profond. Encore une fois, il y a une profondeur de chant qui est terrible. Donc, c'est hyper agréable à jouer, ces effets de modulation. Évidemment, on a fait un tour là un petit peu exhaustif. Comme ça, ce n'est pas des trucs qu'on va utiliser tout le temps. Mais ils sont là. Ils sont dans l'ampli. Et franchement, c'est très inspirant à jouer. Donc, de temps en temps, voilà, on en met un en route et on s'amuse, on s'étonne à jouer des trucs qu'on joue pas d'habitude. C'est vraiment pas mal pour ça. Et encore une fois, d'une qualité bluffante pour ce genre d'ampli. C'est vraiment, moi, à chaque fois que je le branche, c'est un ampli que je connais depuis un petit moment, mais à chaque fois que je le branche, j'hallucine sur certains trucs, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc pour info, je vous disais, un Cube 20X aujourd'hui, pour moi, c'est le plus pratique de la gamme Cube. Il y a existé des cubes de 5 à 100 watts. Donc c'est vraiment une gamme archi complète, assez hallucinante d'ailleurs. Si vous vous amusez à regarder tous les cubes qui ont existé depuis les années fin 80, c'est hallucinant, quoi. Il y a vraiment eu toutes les puissances. Je pense qu'ils en ont pas loupé une seule. Il y a eu le 15, le 20, le 30, le 40, le 60. Enfin, voilà. Il y a eu des XL, il y a eu des basses, il y a eu plein de choses qui ont été faites. C'est vraiment une gamme. C'est aussi pour ça que j'avais choisi de vous montrer cet ampli dans les amplis accessibles low cost en premier, parce que c'est un des amplis qui comporte le plus de dérivés, le plus de modèles. C'est une gamme qui est vraiment archi complète. Voilà donc pour ce Roland 20 et ses effets de modulation. On va essayer maintenant sur ce cube les effets donc de délai et de réverb. Il y a une petite réverb qui a le mérite d'exister, voilà. Elle n'est pas extraordinaire en toute honnêteté, mais elle est là. Voilà, là quand on la met un peu forte, on sent qu'elle est... très voilà, digitale, hein. C'est vraiment la réverb qui est comme ça. Alors par contre, quand on la met pas fort, elle est très confortable à jouer, donc elle a quand même le mérite de remplir son rôle de réverb de confort si on la met pas très forte. Et encore une fois, je connais des réverbs bien pires que ça sur des amplis accessibles, comme on dit, débutants. Là c'est bon, déjà pas mal. En revanche, le délai présent sur ce Roland Cube est vraiment cool. Vous allez voir qu'on peut s'amuser à faire donc un délai standard, mais aussi un super slapback très 50s. On écoute ça ensemble tout de suite. Voilà donc pour ce delay que j'aime beaucoup. Alors quand on le met fort, hein, ça fait vraiment très années 80, encore une fois c'est très digital, ça peut être pas mal pour jouer certains trucs, moi je suis pas très bon dans ces styles là. Par contre quand on l'utilise comme je vous le disais en slapback, comme un écho un peu années 50 quoi, là ça marche vraiment pas mal, encore une fois pour un ampli de ce type là, de ce calibre là, c'est étonnant et c'est fun à jouer quoi, on s'arrête pas de jouer, on trouve des trucs sur la guitare, c'est ça le plus important, ça sonne et c'est fun. Alors ce que je vous propose c'est d'essayer maintenant différents sons, parce qu'il y a des modélisations d'ampli hein, sur les Roland Cube, comme sur pas mal d'ampli destinés aux débutants, on peut choisir d'un son clean à un son très hard. Ça existe chez Vox, ça existe chez Marshall, ça existe chez Fender, ça existe chez plein de monde. Et là, sur le Roland Cube, je trouve qu'ils sont très réussis, notamment deux sons que j'adore. Le Tube Drive, qui ressemble voilà, à un overdrive tube un peu chaud, c'est ce que j'utilise depuis le début de la vidéo. Et puis, celui qui me fait vraiment marrer, c'est le Metal Stack. Ça, c'est un gros son bien énervé, on va écouter ça ensemble tout de suite. We'll be right back.
vraiment aussi pour ça que ces amplis sont faits, pour apporter du fun, et ils sont pas faits que pour des débutants, encore une fois. Quand on joue comme ça dans son salon et qu'on a accès à pas mal d'effets et tout ça, il y a de quoi se marrer à la maison, donc c'est vraiment le but principal de ce genre de jouet. Alors il y a aussi un son clair sur ce Roland Cube, le JC Clean, la position JC Clean, ici tout à gauche, juste un volume, JC pour Jazz Chorus, le fameux ampli Jazz Chorus de chez Roland, l'ampli des années 80, sur lequel quasiment tous les guitaristes de jazz ou autres funk, etc. ont joué. Il reprend, vous allez voir, un petit peu cet esprit, un petit peu ce son. On n'est pas sur un Jazz Chorus, mais on en a un petit peu les gènes qui ressortent. Vous allez voir ça rapidement, je vous montre juste quelques notes. Donc voilà, on a vu pire quand même comme son clair. Hein. Encore une fois, on a un tout petit haut-parleur, on a un ampli vraiment très compact et on arrive à sortir des choses quand même qui sont assez chaudes hein, finalement pour un ampli transistor. Donc voilà, c'est un ampli qui bluffe hein, jusqu'au bout. Franchement, là, j'ai redécouvert avec vous juste maintenant le son clair parce que je ne l'avais pas trop utilisé. Et c'est vraiment cool aussi, donc on peut imaginer pourquoi pas mettre des pédales si vous n'avez pas assez d'effets, etc. Ça prend très bien les effets aussi puisque c'est un son très droit comme ça et très chaud. Voilà les amis, on a fait le tour de ce Roland Cube, ce petit ampli adorable, c'est vraiment un ampli que je porte dans mon cœur parce qu'il me fait marrer, voilà, encore une fois, c'est plus important, c'est quand on fait de la musique, c'est de prendre du plaisir, et il m'en donne beaucoup. Pour ceux qui me suivent, vous avez d'ailleurs vu mes petits lives confinement à la maison, pour info, c'est cet ampli que j'ai utilisé en majorité. Voilà, parce que j'avais que ça à la maison, malheureusement, en ce moment, et je me suis fait plaisir. Au début, je me suis dit, mince, j'ai que le Roland Cube, comment on va faire? Et puis j'ai branché ça dans mon, voilà, sur ma petite table de mixage pour que ça ressorte chez vous en live, voilà, sur les lives Facebook ou autres. Et ça, franchement, ça le fait, ça fait la blague, comme on dit. Et c'est ça le plus important, ces amplis, on les trouve quand même aujourd'hui à moins de 100 euros sur le marché de l'occasion. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous cherchez un ampli pour faire du fun, c'est mortel. Si vous cherchez un ampli pour démarrer la guitare, c'est mortel. Voilà, c'est mortel pour plein de choses. Redécouvrez-le pour ceux qui l'ont oublié et puis pour ceux qui l'ont à la maison, gardez-le surtout, le vendez pas. Et nous on va se quitter avec le son clair, en fait au départ j'avais prévu de vous quitter avec le son de départ un peu costaud et puis j'ai craqué sur ce son clair, donc j'ai mis un petit trémolo, un petit peu de delay et on va se faire plaisir, à bientôt les amis.